Ah, si on l'attend comme ça à chaque fois, ça va être chaud. Ton casque, il n'est pas attaché. Un dixième de notre trajet depuis ce matin. On a fait 40 bornes sur les 400. Non, on a même pas fait un dixième encore. Sur les 460. Les 460 bornes à abattre aujourd'hui, on a fait que 40 km. Parce qu'il fallait mettre de l'essence dans la 4H. Donc, du coup, on en profite. Donc voilà. J'ai une belle scène de vie là. J'ai deux gonzesses qui sont en train de se battre pour savoir comment on met le pochon sur la droite ou sur la gauche. Ah, c'est énorme.
parce qu'elle est connected. Ouais, elle est connected. Ah putain, les Autrichiens quand même, hein. Bah, on les attend, hein. T'as vu, les Japonais, c'est la précision, la rapidité, tout ça. Les Autrichiens, on sent bien que la veille, ça dégommait un peu de bière, quand même. C'est l'exclusivité, quoi. C'est vraiment chouette, quand même. T'as déjà oublié que t'es censé nous emmener à la station? Mais bon, monsieur, c'est par où alors? Ben alors, c'est par là. Non, mais...
pourquoi je préfère rouler que visiter. Ah bah oui, mais si c'est comme ça tout le temps, évidemment, mais là il n'y avait rien à visiter là. Ah non. On a vu des piétons et une bagnole. La route elle est énorme. Ah bah là il fallait y aller. La route elle est énorme. C'est droit, c'est droit. Ouais.
Tu vois la route en bas là? Bah c'est celle-là qu'on va prendre. Pays-Bas, j'ai entendu. Le Hollandais, il voit fucking Blue Boy, il m'a dit. De quoi? Une discothèque dans le coin, il m'a dit, il y a une fucking Blue Boy, c'est hyper bien. Oh la vache, non, non, mais vraiment. Ah ouais, j'ai la... Oh, j'ai... c'était vraiment bizarre. Hein. Oh là 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 là, mais hey, t'as bien fait l'emmener là. Oh là là, non mais regarde le creux. Regarde cette vue, mon coco. Le creux qu'il y a. Ah, j'ai pas signé pour faire ça, moi, les mecs. J'avais dit que je m'occupais du roadbook. C'est pas mal. Donc, moralité du road trip. Quand tu pars avec un destructeur... Ah bah, tu peux défaire l'autre, hein, vu comment ça bouge. Enlève l'autre, s'il te plaît. La valise. Quand tu pars avec un destructeur... Ah bah, attends, et toutes tes vis sont desserrées, regarde. C'est sérieux. Mais regarde. Mais est-ce que tu les avais bien serrées chez toi, Fred? Bien sûr. Touché, moi, j'ai une question. Quand la valise a touché, là... par terre, est-ce que ça aurait joué sur quelque chose? Bah apparemment oui, cassé, mais pas des... ça aurait dû casser ou tordre. Et regarde, regarde, oui, oui, oui. Ouais. Attends, on est devant la... Et regarde, c'est pas serré quoi. Tu sais que c'est un truc à cliquer normalement. Oui, non mais je sais, mais c'est ça, ça plus... c'est desserré partout. Ouais, en fait c'est MacGyver. Non mais MacGyver. J'ai de la chance qu'il n'y ait pas des copains à moi qui soient avec nous, parce qu'ils diraient Honda, c'est tout ce que c'était quand même. Hein. Ouais, mais ça c'est Jivi, c'est pas Honda ça. Jivi des vies, j'ai des génies. Et après, tiens la barre, faut pas qu'elle tourne, s'il te plaît. Non, celle-là, 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 celle-là. Fred. Ah, celle-là. Jivi des vies des génies. Parce qu'elle est casse-couille, elle tourne. C'est pour ça que je te demande de la tenir. Voilà. Merci, chef. Alors, franchis les bleus, serait mon conseil. Ah, j'ai sorti une goutte d'eau. Et normalement à 20h il pleut à Aurillac, pour info. C'est intéressant de nous dire ça maintenant. Magnifique. Et on en aura eu hein, aujourd'hui des petits trucs. T'as vu ça un peu? Comme en 14 qu'elle démarre la cocotte. Ouais, ça, c'est bien, ouais.
Ça sent la putain d'essence bien brûlée, tu sens un peu. Alors Marco, tu vas être pas mal dans deux secondes aussi. Bon, vous avez bien dormi? Ça te rappelle pas la Bretagne l'année dernière, ça? C'est joli comme tout, regarde. Et derrière, il y a l'air d'y avoir du soleil, hein, t'as vu? Et nous, on va par là, alors, en fait. Ouais, on va plus... Enfin, l'axe doit être plus comme ça. Là. Mais t'as vu, derrière la colline, ça a l'air d'être propre, hein. On voit une belle lueur, hein. Et il arrive avec sa catoche, ou... Ça fait plaisir le matin.
Par contre, les gars, je vous dis tout de suite, mettez pas vos baskets, je ne ferai pas l'ascension, les gars. Parce que c'est là. Hein. Ah oui, tu peux pas le tuer. Bah si, tu peux, mais c'est, tu marches, quoi. C'est ça que tu nous avais dit, prendre les baskets, oui. Pour faire ça. Ouais, sauf que là, t'as vu, c'est mort. Je veux pas, là. Là ? Là ? Thank you.
nous on va... Ah non, vous êtes pas dans l'axe. On va se prendre les enfilades là. On monte par un village. Alors je sais pas exactement comment, mais on part par là, ça c'est sûr. Et on va finir là où. Je sais pas si on passe entre les deux sommets ou pas. J'ai du mal à situer. Thank you.
des traces de frein de voiture. C'est une course de côte. J'ai vu. Ah, j'ai dit à Fred, on a trois rythmes. Nico, il part devant, moi je vais être entre les deux et puis... Là, ça me donne envie de la refaire. Parce qu'il y avait une ou deux voitures, dont le 4x4 noir qui est arrivé là. Mais ils me laissaient passer, ils étaient si comme ça. Mais moi, j'étais par terre. Hein. C'est une course de côte, le truc. Non, je vais pas toucher, attends, c'est du texto. Pourquoi? J'en sais rien, je suis parti. Mais c'est pas grave. Bah, quand même. Attention tes lunettes, Fred. Avec moi. Faut qu'on teste entre nous, il vient de me testez-vous. On va se tester tout à l'heure. Oh, je fais quoi, moi? Deux coups, c'est ça? Vas-y. Attends, je suis où, là? T'es où, là? Personne, moi, ça fait juste tut et ça sonne pas, en fait. Essayer de faire c'est bon. Ouais, je me désolidarise du groupe, les gars. C'est insupportable, c'est inadmissible. Thank you.
plus par là, là. C'est clair que ça risque pas de se sauver ton truc. Comment ? Ça risque pas de se sauver. De se sauver. Tu peux ouvrir derrière s'il te plaît ? Là là ? Ouais. On a ouvert le. Bah ça c'est ouvert ça. C'est ouvert. Oui. C'est pourquoi ? Pour aérer. Ouais, là-dessus c'est bon. Ça me dérange pas. Merci. J'adore cette combinaison, je te jure. Je suis pas que pas ça. Ah, t'as une poche kangourou toi en plus. Kangourou. C'est pour emmener quelqu'un. Ah, ça va faire du bruit. J'avais prévenu. Ah, on commence à voir les monts au loin, regarde. Nico.
même pas filmé en fait. Regarde. Une goule et une vache. Ah. Arrête, c'est pas deux jours là, t'es content. Ça fume mon gars. Tu veux le remettre tout le temps, ça m'arrangerait. Ouais. Tu me le remets vite et bien. Ouais.
peu de gravier pour finir la journée, c'est pas beau ça. Ah, j'étais un peu la vie. Ouais, enfin, attends, il a pas tout vite. Bah ouais, c'est un jeu. Ça a été ? Ouais, ça a été. C'est un peu chiant hein, la ligne droite et le retour comme ça. Hein. La moto, c'est ça tout le temps. Ah, ben ça, c'est pas normal par contre. Ouais, ouais. Moi, ça bouge pas la copette. Hein. Ouais, c'est pas comme ça. Ah ouais ? Ouais, ouais. Tu comprends le concept maintenant de pourquoi même une première journée quand il y a beaucoup de kilomètres je ne prends pas l'autoroute. C'est juste pas possible. Ouais, rentrez bien. Cadeau, je te démontrerai le truc et puis je te ramènerai ça au boulot. Ouais, il n'y a pas de soucis. Ok. Bon. On se tient au jus et on se voit mardi parce que moi demain je suis pas au boulot. Ok. Bisous à tout le monde.
Voilà.